prenons le volant et constatons. Quelle souplesse et quelle tenue de route! Pour l'utilisation rurale, c'est une voiture parfaite et quelle maniabilité en ville! C'est une véritable familiale économique. Pas de graissage, pas d'eau, juste un peu d'essence et c'est tout. L'automobile est non seulement pour nous un moyen de déplacement, c'est un abri parfois, c'est la maison roulante, et plus que cela, c'est le moyen de transporter, d'amener sur place un matériel absolument indispensable pour le travail de recherche que nous faisons. Le transport de plusieurs tonnes d'instruments se fait grâce à l'automobile. Il fallait des voitures capables d'aller sur tous les terrains, c'est-à-dire la boue, les trous, le verglas, la neige, le sable, enfin tout. Des voitures dont nous comprenions facilement le moteur. Ces jeunes et sympathiques personnes, les 4L comme on les nommait, sont à l'honneur. Elles viennent de réussir, sous la direction de Michel Ray, le premier raid automobile féminin Terre de Feu Alaska, à bord de deux Renault 4, strictement de série. Pour 4 parisiennes, les Amériques représentent beaucoup de mystères, beaucoup d'inconnus. Au moment où la millionième Renault 4 sort des usines de Billancourt, ce succès des 4L apporte une nouvelle preuve de la qualité Renault.